Bonjour, bienvenue dans la cuisine du chef Cherz. Aujourd'hui, ce ne sera pas une recette, mais une technique. On va apprendre comment désosser un poulet à cru. Allez, on y va. Pour faire de la boucherie, désosser une volaille, on a besoin d'un couteau qu'on appelle le couteau désosseur. Un couteau avec une lame rigide et assez mince. Première étape, retirer les cuisses. Donc, petit coup de couteau. Bien découper la peau. Et suivre la carcasse. J'arrive à l'articulation, je retourne la volaille et ici je vais aller chercher le solilesse qui se trouve ici. J'ai bien dégagé le solilesse. Le solilesse, comme le nom l'indique, c'est le seau qu'il oublie sur la carcasse, donc le solilesse. Je vais repositionner mon poulet et là je vais dégager l'articulation complètement et j'ai ma cuisse de poulet avec son solilesse. Je vais dégager la deuxième cuisse. Pareil, on y va délicatement, on suit la carcasse, on dégage la graisse. Là, je vais retourner ma volaille. Je vais dégager également le solilesse qui se trouve ici. Je dégage une deuxième fois l'articulation, je suis bien et de nouveau ma deuxième cuisse bien découpée. Pour retirer la poitrine de volaille, je vais garder le petit morceau d'aileron, mais je vais aller couper, frapper au-dessus de l'articulation. Voilà, et là je vais pouvoir retirer mon aileron. Pour retirer les poitrines de volaille, qu'on appelle aussi suprême, on va inciser le long du bréchet, des deux côtés. Et là, on va bien suivre les os pour laisser un minimum de viande. Je longe bien le long du bréchet. Je dégage la viande ici sans prendre les os. Ici, je vais arriver contre la fourchette. Et ce que je veux surtout, c'est aller à l'articulation complètement et prendre le petit aileron également. Voilà, là j'ai ma poitrine de volaille complète. Je vais retirer un peu de gras. Du gras également ici que je ne garde pas. Même procédé pour la deuxième poitrine. Je suis bien le bréchet jusqu'à la fourchette. Et ici aussi, je vais bien chercher l'articulation pour avoir ma poitrine de volaille avec l'aileron. Comme ça. Vous avez ici un poulet à cru coupé en 4 morceaux. Je vais garder bien entendu la carcasse et les ailerons pour faire un excellent bouillon de poulet. Il ne faut surtout pas oublier la salubrité, c'est-à-dire quand on manipule de la volaille, la contamination croisée, c'est très très important. Donc les morceaux de volaille crue, là ils sont encore très froids, ils sont encore 4 degrés. Ils vont retourner tout de suite au réfrigérateur et bien sûr ma planche, de l'eau chaude, du savon, important avant de toucher un autre produit et un autre aliment. On se retrouve la semaine prochaine pour ma recette de poitrine de volaille farcie sous la peau au fromage de chèvre. Bonne soirée, au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne.